2 was a blast. Hello, everybody. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle preview de la Gamescom et aujourd'hui on parle de Just Sent, le nouveau jeu de Dontnod qui a été annoncé au Summer Game Fest. Et donc moi j'ai eu la chance d'y jouer mais déjà la semaine dernière avant d'arriver à la Gamescom, mais l'embargo tombait aujourd'hui donc je me suis dit voilà, quitte à tourner la vidéo, autant la faire dans le cadre de la Gamescom. Et donc j'ai pu jouer plus d'une heure à ce nouveau titre de Dontnod qui est attendu pour l'automne 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X Series S. Moi, dès son annonce, le jeu m'a séduit par sa DA et donc j'avais hâte de poser les mains dessus. On nous a un petit peu vendu le jeu comme un jeu solo narratif qui mélange pas mal d'escalade, et en réalité c'est plutôt un Metroidvania avec pas mal d'escalade. Parce que tout simplement, pourquoi Metroidvania? Tout simplement parce que on est complètement livré à nous-mêmes. Parfois même je trouve que c'est un petit peu brouillon. Alors moi je suis pas trop fan des Metroidvania, c'est vrai que des fois quand je dois chercher pendant un quart d'heure une solution qui est juste devant mon nez que j'avais pas vu, ça me fait péter un plomb. Et donc du coup c'est vrai que on a quand même un avancement que je trouve un petit peu, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, des fois vous allez chercher pas mal de choses, c'est pas toujours indiqué, surtout au début du jeu quand on a un tuto qui nous explique, c'est pas toujours un petit peu indiqué. J'ai eu pas mal de bugs, mais attention, c'est une version, c'est une build démo, ils nous avaient prévenu, etc. Donc ça c'est pas dramatique, mais on le souligne quand même parce que le jeu arrive quand même cet automne. Donc cet automne, ça peut être dans un mois en novembre, comme ça peut être dans deux mois et demi, trois mois, fin novembre, début décembre. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des petits bugs. Alors pareil, léger, c'était des bugs de collision, etc. Je n'ai pas eu à redémarrer le jeu, je n'ai pas eu des bugs compliqués, mais il y en avait. Et donc voilà, c'est le seul petit défaut que j'ai pu noter. Sinon, au niveau des points positifs, on a une musique et une ambiance extraordinaire. La musique, moi j'ai été complètement bluffé et charmé par cette bande son du jeu qui est tellement posée, on est dépaysé. On part à l'aventure et on est juste avec notre petit personnage, notre petit compagnon, et on a ces musiques, des mises en scène, surtout quand on arrive à la fin des chapitres, qu'il y a des cinématiques, les mises en scène sont incroyables. Donc entre la mise en scène et la musique, on assiste à des choses qui sont vraiment sublimes. Vraiment, moi j'ai adoré. On a également, dans la DA, je parle graphisme aussi, graphisme, direction artistique, les deux sont sublimes. De toute façon, c'est la petite touche Dontnod, comme on avait avec par exemple Life is Strange, que moi j'adorais. Tous ces jeux, alors c'est pas vraiment du cel shading, mais voilà, tous ces jeux avec une direction artistique bien particulière, moi en général, ça me plaît beaucoup. Et donc, Just Sent ne déroge pas à la règle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que le gameplay, même si parfois il est un petit peu brouillon, comme je vous l'ai dit, parce qu'on n'est pas trop, des fois c'est pas trop expliqué, ou des fois on a un peu des petits bugs, mais le gameplay est vraiment très sympa. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, un Metroidvania sur de l'escalade. Il n'y a pas trop de narration, malheureusement c'est pas un jeu narratif, mais du coup par exemple c'est bête, mais pour escalader, on va devoir faire gâchette gauche, gâchette droite, gâchette gauche, gâchette droite. J'ai joué sur PC malheureusement, sur PlayStation ça risque d'être encore plus cool avec les gâchettes adaptatives, mais on a plein de petits renouveau dans le gameplay. C'est pas toujours la même chose, on a beaucoup de solutions alternatives, et ça c'est plutôt sympa. Lorsqu'on a notre petit compagnon, ce dernier peut interagir avec la nature, et donc du coup ça nous débloque de nouveaux passages, des raccourcis. Enfin, je trouve qu'au niveau du gameplay il est varié et c'est vraiment sympa. J'ai vraiment apprécié de voir toutes ces différentes fonctionnalités et variantes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si ce n'est que on retrouve dans ce Just Sent les moments Dontnod. Donc qu'est-ce que c'est les moments Dontnod? Moi c'est comme ça que je les appelle. C'est ce qu'on a dans Captain Spirit, dans Life is Strange, qu'on retrouvait peut-être pas forcément dans la suite des Life is Strange lorsque ce n'était pas développé par Dontnod. C'est ces petits moments où tout simplement il y a une musique d'ambiance incroyable et en fait il se passe rien. Il y a une petite cinématique, il ne se passe rien. Et dans Life is Strange, ça m'avait tellement bluffé. Et là, on le retrouve. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, vous escaladez, vous arrivez à des endroits et vous allez appuyer sur un petit truc. Vous pensez que c'est un collectible. Et non, en fait, ça va simplement vous mettre en pause. Et il y a une musique qui se lance.
Et là, bah, vous regardez un petit peu ce qui se passe. Et je trouve ça génial. J'ai adoré ces petits moments-là. On les retrouve plusieurs fois. Donc voilà, c'est une preview assez courte. Le jeu, comme je vous l'ai dit, est censé arriver en automne. Je vous en dirai sans doute plus à sa sortie. Mais là, au bout d'une heure, avec les deux, j'ai fait les deux premiers chapitres. Eh ben, on a aussi un environnement qui se renouvelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours la même chose. Ça se renouvelle même vachement. Chaque chapitre, limite, c'est un nouveau lieu. Mais tout en gardant une continuité logique, j'ai beaucoup apprécié, vraiment, même si je suis pas trop Metroidvania, qu'à certains moments, voilà, j'ai peut-être passé un quart d'heure sur un passage que j'aurais pu passer en 5 minutes, mais voilà, il y a une bonne variation du gameplay, il y a une ambiance et des musiques, une direction artistique incroyable. Je pense que ça peut être un jeu vraiment très sympa et j'ai hâte donc du coup d'en découvrir davantage lorsqu'il sortira sur PC, PS5, Xbox Series X et PC. Et Series S dès la fin de l'année. Sur cela, bah, dis-moi un petit peu si Jason t'avait séduit lorsqu'il avait été annoncé. Dis-moi si tu l'attends ou pas. N'hésite pas à me dire ça donc en commentaire, à soutenir la chaîne avec un petit like, un partage, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour plein de nouvelles vidéos à la Gamescom. Tous les jours à 9h jusqu'à samedi, il y a le vlog qui te montre ma journée de la Gamescom de la veille. Puis, il y a une vingtaine de previews qui arrivent avec des previews qui sont sous embargo jusqu'à fin août, voire mi-septembre. Donc, il y aura encore des vidéos qui arriveront plus tard. Sur cela, je te laisse. Merci à toi et à très vite sur les réseaux sociaux pour suivre en direct la Gamescom hein, sur Instagram, sur Twitter. Surtout sur Instagram avec les stories. Et puis bah, à très vite sur la chaîne pour de nouveaux vlogs et de nouvelles previews.